Bonjour, c'est Al le Barbare. Alors, nous voici sur un petit tuto sur une compo Yeti Bouliste, un golem, un petit golem de glace. On va lancer ça. C'est parti. Donc, c'est vraiment une composition qui marche dès l'HDV12, HDV13, HDV14. On est sur un 14 maxé au niveau défense, bien centré. Donc là, on va s'orienter pour l'arène. Avec un AQH, on va partir du coin en haut à droite. C'est parti, la reine est lâchée, les guérisseuses. Donc là, on démarre tranquillement l'AQH. Le but, c'est de faire sortir le CDC. Comme il n'est pas trop loin, là, ça va le faire. Donc, dans la compo, j'ai adapté, j'ai mis deux super sapeurs au lieu de deux bébés dragons. Ça peut servir pour créer des brèches, donc on va voir ça. Donc là, voilà, le CDC sort, un petit poison, il n'est pas trop dangereux, on a pas besoin de le geler, là, il y a des sorciers, ça va mourir tranquillement, et l'électro, l'arène va se recharger. Et sur l'autre angle, donc pour créer un funnel au centre, je mets le roi de bouliste. Ensuite, golem de glace pour protéger mon lanceur de bûche qui va lui détruire le centre. Donc là, mon gardien, je l'ai mis un peu avant et il est parti vers le roi. Donc c'est une petite erreur, on aurait dû mettre les yétis avant et le gardien derrière. Mais là, on va voir que hop, il protège quand même les yétis surtout. Donc là, l'aigle a lancé sa charge, on lance la capa du gardien. On voit que on n'a plus, on a plus de roi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on est bien au centre. Et c'est là où on va faire attention avec les golems de glace, donc on va geler. On a toujours un gel qu'on va utiliser sur la tour de l'enfer en mode multi. Notre championne, donc elle avait nettoyé le bas, elle est morte en bas. Mais là on va voir, je garde toujours un Yeti et 2-3 boulistes pour venir en support. Donc on va aller le super sapeur justement dont je parlais tout à l'heure. C'est très pratique. Donc alors là non, petite erreur, c'est pas le roi, mais il est toujours là. Donc là bah, il nous reste les héros. Mais on va voir que voilà, ça marche bien. On a toujours voilà, on a commandé des héros max. On n'a pas des très grosses def, les catapultes ont été déjà éliminés au centre. Un petit bébé dragon max, mais il est efficace aussi. Bon, l'arène a chargé des mines aériennes. Hop. Et là, on continue. Voilà le nettoyage. On voit, bah, le bébé dragon, il fait un bon boulot. Et puis bah, voilà, les guérisseuses continuent de guérir tout le monde, le roi, la reine. Capa de la reine pour être dans les temps. Et donc c'est vraiment une composition qui marche très très bien sur des HDV centrés comme ça avec un lance-bûche. Ça fait du bon boulot et voilà, on fait souvent des perfects. J'en avais fait un juste avant. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.